J'ai fait un tableau, mais je ne sais pas ce que ça représente, je lui ai dit, en lui montrant mon tableau. Ça représente quoi? T'as voulu dire quoi? Eh ben, je lui ai dit, je voulais rien dire, je voulais juste faire un tableau. Mais ton tableau, il dit rien, fallait y penser avant, fallait penser à ce que tu voulais dire, comme ça peut-être qu'on saurait ce que ton tableau veut dire, parce que là, en tout cas, ça ne me parle pas, ça ne me raconte rien, ton tableau. Il ferait presque peur, ton tableau. Oh, mais je te demande juste comme ça, j'ai fait un tableau, tu penses quoi de ce tableau? Ben, j'en pense rien, il veut rien dire ton tableau, on reconnaît rien du tout dans ce tableau, et si on reconnaît rien du tout, c'est que c'est rien. Et pourquoi tu fais un tableau de rien? Mais on ne peut pas dire que c'est rien, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des traits, on ne peut pas dire que c'est rien puisqu'il y a quelque chose. Ouais, t'as raison, il y a des formes, il y a des couleurs, il y a des traits, il y a du travail, mais ça ne veut rien dire, c'est un tableau qui ne veut rien dire. Il est même pas beau ton tableau, je sais même pas s'il est moche. Je peux pas vraiment juger, j'y connais pas grand chose. Mais pour moi, c'est un tableau qui dit rien. Donc toi tu dis que j'aurais fait un tableau pour rien. Un tableau qui ne compte pas. Pourtant j'y ai passé du temps, est-ce qu'on peut passer du temps à peindre pour rien? Ben j'en sais rien, j'y ai jamais pensé avant. Mais moi si j'avais l'idée de faire un tableau, je le ferais pas pour rien. Je perdrais pas mon temps. Ben, ça serait quoi un tableau pour quelque chose alors? Ce serait quoi quelque chose? Ben, déjà, ça pourrait représenter quelque chose qu'on reconnaît. Oui, mais si c'est un tableau qui représente quelque chose que tu connais pas, tu peux pas le reconnaître. C'est ça que je te dis. Si je faisais un tableau, je ferais quelque chose que je connais pour que les autres puissent le reconnaître. Peut-être que le tableau que j'ai fait représente quelque chose que tu connais pas. Alors, ah ben peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il ne me dit rien. J'y reconnais rien. Mais arrête de dire rien quand tu reconnais pas quelque chose. Parce qu'avant, tu le connais pas. Oh, doucement, pas la peine de s'énerver pour un tableau quand même. Et puis c'est toi qui m'as demandé, pas la peine de te fâcher. Moi je te dis comme je pense. Après, si t'es pas content de ma réponse, fallait y penser avant de me demander.